J'ai été le plus grand parmi les mortels. Le plus puissant arbitre de l'Europe. J'ai dirigé la plus magnifique des nations. Un homme monté aussi haut ne pouvait plus se contenter d'un rôle médiocre. Je voulais être tout. Ou rien. Des dizaines de millions de gens sont morts en prononçant mon nom. Grâce à eux, j'ai créé un état nouveau et modifié l'image du continent. Je ne pouvais pas revenir en arrière. Un royaume ordinaire ne me suffisait plus. Lorsqu'il s'est avéré impossible d'obtenir ce que je voulais, j'ai préféré renoncer à tout. Je n'ai pas justifié mes actes. Libre à ceux qui me liront de penser ce qu'ils veulent, leur opinion m'est indifférente. Je méprise les gens. Et alors? C'est sublime, sire. Ces paroles seront admirées pendant des siècles. Je suis heureux de les noter. Laskaz, je sais que tu écris tes souvenirs en cachette sur moi. Un jour, tu en feras une bonne affaire. Je ne fais que noter tout ce que vous me dites, Votre Majesté. Miles to the nearest stretch of African coast, and about 2,000 to South America. Three infantry regiments, five artillery companies, and a detachment of dragoons are based on shore. At sea, a permanent lookout is kept by two armed frigates, several sloops, and some schooners. Cannons have been set up along the shore and others in the interior. All incoming ships are checked and can only land in one place. Apart from this one place, the coastline is rocky and inaccessible. What is the time? Eight minutes to nine. We're nearly there. I want to enter General Bonaparte's rooms on the stroke of nine. We'll be on time, sir. The white flag is up. He's at home. First sentry, sir. Number three, boss. All present and correct, sir. 4 minutes to nine. We're on time. Captain Fox! Sir?
Be so good as to announce our arrival. Yes, sir. I was told that Napoleon is not seeing anyone today, sir. Did they not receive my letter yesterday? They did, sir. I spoke to a member of Napoleon's household. General Bonaparte, Captain. General Bonaparte, sir. In we go. J'ai déjà dit au capitaine qu'il n'y aura pas d'audience aujourd'hui. Je suis Hudson Lowe, le nouveau gouverneur de l'île. Qui êtes-vous? Cipriani, maréchal de cour de Sa Majesté impériale. Cipriani, c'est vous qui avez dirigé les partisans corses contre moi. J'ai eu ce plaisir, général. Conduisez-moi auprès du général Bonaparte. Il n'y a aucune majesté impériale ici. J'ai annoncé mon arrivée. Sa Majesté impériale ne vous recevra pas aujourd'hui. Sa Majesté ne vous a pas fixé l'audience. Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous dites. Nous ne sommes pas aux Tuileries ici. Je le sais parfaitement. On ne nous permet pas de l'oublier. Veuillez m'annoncer au général. Sa Majesté se repose. Ce serait contraire à ses ordres. Ce n'est pas grave. Vous ne passerez que sur nos cadavres, général. Vous me menacez? Je fais mon devoir. Je vais appeler mes soldats. Je ferai défoncer la porte. Faites comme bon vous semble, général. Vous n'entrerez que par la force. Monsieur, je vous prie de m'obtenir une entrevue avec le général Bonaparte. Pour obtenir une audience avec Sa Majesté impériale, il convient de présenter une demande expresse au grand maréchal, le comte Bertrand. Je voudrais donc voir le comte Bertrand. Entendu, Excellence. Santini, conduis son Excellence chez le comte Bertrand. Captain, you wait here. Asseyez-vous, capitaine. Permettez-moi de me présenter. Captain Henry Fox. Les Anglais sont réellement braves, capitaine. Quelle belle infanterie. Impossible à briser. Ça vous est arrivé, pourtant. Pas à tous les coups, hélas. C'est bien pour ça que nous sommes ici. He invented an imaginary France, an imaginary Spain, an imaginary Poland, and now he wants to create an imaginary island, St. Helena. Susan, I said a towel for your father.
And he still wants to be addressed as Emperor. What arrogance. Caroline, make sure these are dried, please. But I cannot, as he knows only too well, send dispatches to London admitting I can't even set eyes on. Now, it won't help to destroy. Nor can I resort to force. Who's in command here? Le général Hudson Lowe. Vous êtes le nouveau gouverneur. Bien. En tant qu'exécuteur des ordres de votre gouvernement, veuillez entendre ma protestation et la transmettre plus haut. Que votre gouvernement, votre peuple, que l'opinion mondiale le sache, je n'ai jamais accepté et je n'accepterai jamais un tel abus d'autorité. J'ai été emprisonné ici contrairement à la loi des nations. Je suis monté de mon propre gré à bord d'un bateau anglais en me plaçant sous la protection du peuple britannique et de ses lois. C'était une preuve de confiance. Je n'ai exigé aucun traité officiel. Je suis l'hôte de l'Angleterre, je ne suis pas son prisonnier. Je suis déçu. C'est une honte pour l'Angleterre de me traiter ainsi. Et l'histoire s'en souviendra. Je n'étais pas content de votre prédécesseur. Il me traitait avec une familiarité offensante, se permettait de m'envoyer des invitations à des bals et m'a fait loger dans les écuries. Les ordres des supérieurs mettent souvent les subordonnés dans une situation mal commode. L'amiral Coburn, avant moi, ne faisait qu'obéir aux ordres du gouvernement. Je suis son successeur. Et vous êtes l'otage de l'Europe. Une première fois, vous avez quitté l'île d'Elbe pour semer la mort. Les puissances européennes vous ont vaincu et ont confié votre garde à l'Angleterre. Je prendrai donc toutes les mesures nécessaires pour épargner à l'Europe un second retour. Je crois savoir ce que veut le gouvernement anglais. Mais il se trompe. S'il espère épuiser ma patience et m'amener au suicide. De quoi parlez-vous, général? Général, comment osez-vous? Je suis empereur, que cela vous plaise ou non. Premier consul et empereur depuis 17 ans. Pourtant, vous avez abdiqué. Et alors? Je peux cesser d'être empereur des Français, mais je reste pour toujours l'empereur Napoléon. De même qu'un évêque reste évêque, même sans diocèse, et qu'un général reste général, même à la retraite. Mes instructions sont claires, je n'ai pas à vous donner ce titre. Vous n'êtes qu'un exécutant subalterne, une boîte à lettres. Je vous ai adressé la parole uniquement pour que vous transmettiez ma protestation à qui de droit. Pour les questions d'ordre matériel, à qui dois-je m'adresser dans votre entourage? Montolon, Bertrand. Me permettez-vous de vous présenter les officiers qui m'accompagnent? Non. Si vous n'avez plus rien à me dire, je me permettrai de prendre congé, général. Rassoff. He has never learnt the conduct of a gentleman. Perhaps his behavior is part of a plan which we have not yet deciphered. Tomorrow we shall have to surround Longwood with additional sentries equipped with telescopes. At night, they are to move in as close to the house as possible. General Bonaparte cannot cross the sentry line.
unless escorted by the orderly officer, and this applies to every person in his retinue. He is not a monarch, and Longwood is not his sovereign territory. Of course. Qu'est-ce que ces manières, Gogo? Suis-je redevenu pour vous le général Bonaparte? Comme pour le gouverneur? Monsieur le général Gogo? Pardon, sire. L'étiquette est de rigueur, ici comme aux Tuileries. Celui qui ne veut pas s'en souvenir peut s'en aller. Madame la comtesse Montholon. Pardon pour ce retard, sire. Quelqu'un qui jouit du privilège de se trouver en ma présence doit savoir que je suis le seul à décider qui reste debout et qui s'assied. Je faisais des achats en ville. Une femme, dans ce cas-là, perd toute notion du temps. Ce n'est pas la première fois que vous êtes en retard, madame. Cette maison n'est pas une auberge. Votre manque de respect m'est encore plus amer ici qu'à Paris. Madame Bertrand. And Captain Fox. De plus près, ça se présente moins bien. De plus près, tout se présente moins bien. Acceptez-vous, madame. Oh, que de compliments. Comme vous devez vous ennuyer ici. Mon temps se partage entre les moments où je suis près de vous et ceux où j'attends d'être près de vous. Et tout cela, évidemment, sur ordre du gouverneur. Pourquoi vous acharnez sur votre admirateur? Vous n'imaginez pas comme cette vie me fatigue. Vous avez pourtant de la compagnie. Toujours les mêmes, à toujours parler de la même chose. Les souvenirs, le passé, la gloire. Vous croyez que nous obtiendrons l'autorisation de revenir en France? Vous êtes venue ici de votre plein gré, madame. De plein gré. Mon mari ne fait aucun geste contre la volonté de l'empereur, il est comme magnétisé. Je croyais que c'était fascinant de vivre auprès d'un si grand personnage. Mmh.
Quand nous reverrons-nous? Nous nous voyons tout le temps. Tu sais à quoi je pense? Non, je ne sais pas. Tu ne sais pas? Je ne sais pas. Il est très difficile de faire des projets ici. La prudence. Oh, la prudence, la prudence. Sa Majesté n'a pas le droit de se conduire comme un gamin. Nous nous reverrons bientôt, sire. J'attendrai. Tu as vu, papa? Il faudra remettre de la morora. J'en parlerai au capitaine, les Chinois s'en occuperont. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? J'ai feuilleté les moniteurs. Tu devrais travailler. Tout seul, ce n'est pas facile, papa. Il le faut pourtant. Tu ne resteras pas toujours ici. Papa? Tu crois qu'on nous laissera partir d'ici? Nous? L'empereur et nous tous? Hélas, mon fils, ça n'en prend pas le chemin. Hudson Lowe se serait volontiers débarrassé de nous, mais si nous abandonnons l'empereur volontairement, nous aurons enlevé tout sens à notre présence ici. Son Altesse Royale, le Prince Régent, nous fait savoir de Londres que toutes les personnes de la suite de Napoléon Bonaparte peuvent quitter l'île et revenir en Europe. Seules auront le droit de rester sur l'île les personnes certifiant par écrit leur volonté d'y demeurer en acceptant du même coup toutes les mesures de rigueur prévues à l'égard du général Bonaparte. Wellington est un merdeux, un vainqueur de merde. C'est un comptable, un cheval avec un parapluie. Moi, j'ai eu en mon pouvoir plusieurs monarques. Je n'en ai persécuté aucun, emprisonné aucun. Il n'y a qu'un Anglais pour ça. C'est un peuple de boutiquiers. J'aurais dû me rendre au tsar Alexandre. Sire, nous sommes tous prêts à mettre par écrit notre volonté de rester avec votre majesté. Et nous le ferons savoir au gouverneur. Le gouverneur? Ce puant Hudson Lowe? S'il savait ce qu'est l'honneur d'un soldat, il n'aurait jamais accepté cette fonction de garde-chiourme. Je refuse toute gérance, toute intrusion. Dans ma maison, mon entourage. S'il le fait, nous le dirons partout. Que ça se crée jusqu'en Europe. Asseyez-vous, sir. Ça va aller, ça va aller. Allez, permettez, sire, qu'on ne laisse jamais entrer chez moi, ni le gouverneur, ni toute autre personne envoyée par lui. Jamais! Appelez le docteur Omea, laissez-moi seul. J'ai l'ordre formel, Excellence, de contrôler personnellement au nom du roi de France la présence de Bonaparte. C'est-à-dire entrer chez lui et le voir de près. Ce qui en aucun cas ne pourrait être considéré comme un manque de confiance à votre égard. Le gouvernement autrichien m'ordonne pour sa part de me conformer aux initiatives du représentant de la France, monsieur le marquis de Montchenu. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne veut pas nous voir. La convention du 2 août, en vertu de laquelle nous sommes ici, nous comptera tous. Sans en accepter Bonaparte. C'est avec regret que je dois insister, Excellence.
Mais vous devez mettre en œuvre tous les moyens nécessaires, tous, sans en excepter l'usage de la force, pour nous donner accès aux prisonniers duquel nous devons assurer la garde en commun. Quelle est la position à ce sujet de Monsieur le comte Balmain, le représentant de la Russie? Je ne suis pas tenu d'avoir des contacts personnels avec Bonaparte. Je déplore notre manque de solidarité. Excellence, je vous demande instamment de nous introduire le baron Sturmer et moi en qualité de commissaire des puissances alliées auprès de Bonaparte. Monsieur le général Bonaparte refuse de vous recevoir. Désirez-vous pénétrer chez lui par la force? Dans ce cas, je mettrai à votre disposition la force armée nécessaire, si vous me le demandez officiellement. Mais en ma qualité de représentant de l'Angleterre, je ne donnerai pas à mes soldats l'ordre d'entrer dans ses appartements. Je vous préviens, Bonaparte a déclaré qu'il tirerait sur quiconque oserait s'aventurer jusqu'à Longwood. Songez au scandale auquel vous exposeriez les monarques que vous représentez. Mais je vous renouvelle ma promesse. Quelle que soit votre décision, je me tiens prêt à vous aider. Il me semble, Excellence, que j'exprime notre avis commun en vous demandant d'ajourner notre conversation. Je vous suis reconnaissant d'avoir présenté sincèrement tous les aspects de ce problème. Et moi, de votre promesse de nous aider à ramener à bien ce que nous déciderons. Quoi qu'il doive en coûter. At last. Miss Susan, it's forbidden. Governor's orders. Besides which, if you were out, the green flag would be up. You can wait here if you like. She's always so self-willed. But thanks to that, Miss Caroline, we're alone. Would you care to step down, please? Vous allez beaucoup mieux aujourd'hui. Le plus important maintenant, c'est les promenades au grand air et beaucoup d'exercices. Grand air et exercices. Permettez, sire, de me retirer. Je dois préparer votre potion. Marchand vous accompagne. Merci. Sire, le gouverneur a demandé une nouvelle fois être reçu. Non, je ne recevrai pas cette canaille et ne sortirai pas d'ici tant qu'il n'aura pas annulé ses dispositions. Il a pris également des nouvelles de la santé de votre majesté. Des nouvelles de ma santé? C'est suspect. Il fait tout pour m'achever. C'est très suspect. Que me jette-t-il? De m'empoisonner? Cipriani? Où est Cipriani? Il est souffrant, sire. Il garde la chambre. Montolon, vous vous chargerez des mesures de sécurité. Tout ce que je mange doit être préalablement vérifié. Soyez tranquille, sire. Je goûterai moi-même tous vos plats, mais je dois seul en avoir la responsabilité. Il semble surtout important, vu que l'état de santé de votre majesté s'améliore, que vous fassiez quelques promenades. Il est très malsain de rester ainsi, enfermé pendant des mois. Je vous l'ai déjà dit. Je ne sortirai pas de mes appartements tant que cette canaille ne se sera pas rétractée. Les commissaires insistent toujours auprès du gouverneur pour qu'on leur accorde une entrevue avec votre majesté. À quel titre? S'ils veulent me voir en qualité de représentant de leur monarque, qu'ils présentent leur lettre de créance. S'ils veulent me voir comme personne privée, qu'ils s'adressent à vous, Bertrand. Mais qu'ils ne passent surtout pas par le gouverneur. Je les en informerai, sire. Et maintenant, sire, je pense sincèrement que vous devriez vous forcer à vous promener. Oh merde, ça suffit! Santini! Santini! Apporte-moi un vêtement, n'importe lequel. Vous me fatiguez.
voyez, leur pavillon est déjà là. Ils ne cessent de m'observer. Ils veulent m'achever. Cette île est une merde. Et ne rien faire me tue. Votre Majesté impériale devrait consacrer plus de temps à la rédaction de ses mémoires. Ah oui, à vous, ça vous suffirait peut-être, raconter votre vie. À moi, non. Je m'en veux beaucoup. Tout aurait pu se passer autrement. C'est exact, sire. À Dresde encore, on nous a proposé la paix dans des conditions fort avantageuses. Oubliez cela, Bertrand. Il est facile de juger après. Les conditions étaient excellentes pour un vaincu. Et vous trouvez que j'ai été vaincu à Dresde? Idiot. Mes adversaires ne m'arrivaient pas à la cheville. Il m'en restait encore d'excellents soldats, de très bons généraux. Qu'est-ce qu'ils avaient, les autres? La supériorité numérique, sire. Seulement. J'ai fait mon affaire plus d'une fois de cette supériorité-là. Vous m'écoutez, Bertrand? Je t'écoute, sire. Personne ne le croira, mais je ne regrette rien. Même pas d'avoir tout perdu. Qu'est-ce qui nous attend, sire? Je n'ai encore rien décidé. J'ignore ce qui se passe dans le monde. Le climat d'ici me paralyse. Et puis il y a la question de ma dynastie. Mon fils. This new kind of dance is amusing. Yes, it's a waltz. I came late for that dance. So? May I have the honor of the next one? It's promised to Count Balmain. To prefer a Russian to an Englishman, it's very unpatriotic. Non, vous savez, les Français de Longwood ne viennent jamais ici, malheureusement. Au début, je les invitais, mais Bonaparte leur a strictement interdit de nous fréquenter. Ils fréquentent pourtant vos compatriotes en ville. Oui. Enfin, certains Anglais sont reçus chez Bonaparte à titre privé. Comment Sir Hudson Lowe prend-il la chose? Il y attache peu d'importance. Mais si vous désirez connaître la société de Longwood, il pourra vous arranger une rencontre en ville, par hasard. Merci, madame. Mais le caractère de ma mission nous commande la plus grande réserve dans mes contacts avec les habitants de Longwood. Du moins jusqu'à ce que la situation s'éclaircisse. May I have a word with you, sir? XVIII, qui a reçu son sceptre des ennemis de la France, sera renversé par le peuple français. Si le peuple décide, mon fils accédera au trône. Le règne de ma dynastie va dans l'intérêt du peuple. C'est le peuple qui m'a couronné. Le pouvoir suprême doit avoir l'appui du peuple.
L'État que j'ai organisé est une république. Voilà pourquoi l'oligarchie européenne m'a haï. Quelle douleur est la plus aiguë, à votre avis, Lascaz? La douleur morale, sire. Idiot, ça a le mal dedans. Montrez. C'est le peuple qui m'a couronné. Je vais vous dire une chose, Lascaz, mais ne l'écrivez pas. Vous, les Français, vous aimez la monarchie. C'est un régime qui vous convient. Je suis persuadé que vous vous sentez plus à l'aise quand vous me dites « sire » et je vous appelle « monsieur ». Faut toujours nourrir votre vanité. L'austérité républicaine vous ennuierait à mort. Vous avez tout à fait raison, sire. La restauration de la monarchie a soulevé un enthousiasme général. Quelle restauration? Quelle monarchie? Le titre de roi est usé jusqu'à la corde. Il aurait fait de moi l'héritier de vieilles idées mortes. Empereur, Lascaz, empereur. Ça vise plus haut, plus large. C'est un peu plus vague aussi. Empereur de la République. Très énigmatique. C'est bien vrai, sire. Très mystérieux. Que voulez-vous, marchand? Majesté, Thomas Reed est là avec deux adjudants et le commissaire de police. Il veut voir immédiatement monsieur le comte Lascaz. Voyez de quoi il s'agit. Je vous remercie de m'informer sur l'affaire Lascaz. Je voudrais vous informer aussi d'une loi votée par le Parlement anglais. À quel sujet? Peine de mort pour toute personne qui aiderait Bonaparte à s'enfuir. Voici enfin une loi intelligente. Une loi qui s'applique à tout le monde, donc au commissaire. Les représentants diplomatiques des puissances étrangères se verraient-ils soumis à la loi anglaise? Notre situation ici est particulière. Puis-je savoir quelle est l'attitude de messieurs Balmain et de Montchenu? Ils ont protesté. Protestez-vous également? Oui, bien sûr. Mais à vrai dire, c'est à contre-cœur, car toute cette histoire manque véritablement de sérieux. Veuillez informer Sa Majesté impériale que je suis arrêté avec mon fils et que ma chambre a été fouillée. Allez. Le nom de Dieu, le nom de Dieu! Que s'est-il passé? Pourquoi les a-t-on arrêtés? On ne sait pas, sire. Gibriani! Où est Gibriani? Il est dans sa chambre, malade. Il vient ici. Je vais le chercher, sire. À quand la fin? Quel soulagement ce sera pour vous? Vous avez quitté vos familles, votre pays, en plus on vous persécute. N'appelle pas Gibriani. J'irai le voir moi-même. Bien sûr. Je cherche à vous voir depuis plusieurs semaines. J'ai dû renoncer au cheval. Des malaises, tout cela à cause de ces changements de temps. Sa Majesté aussi se plaint du climat. Mais à propos, elle vous accorderait volontiers une audience. À titre privé, bien entendu. Étant donné qu'il est en guerre avec le gouverneur, je ne puis même pas songer à lui rendre visite. C'est dommage. L'empereur a besoin de compagnie, surtout maintenant. Le départ de Lascaz l'a beaucoup affecté. On a dit tant de choses, même que Lascaz a détourné volontairement les soupçons sur lui pour être expulsé. Lascaz a vraiment tenté d'envoyer clandestinement des lettres en Europe par l'intermédiaire d'un indigène. Mais celui-ci a tout avoué au gouverneur. Il a transmis les lettres, les adresses. En tout cas, Lascaz et son fils ont bel et bien quitté l'île. Pour eux, l'exil, c'est fini. L'empereur s'élève contre ce genre de rumeurs. Il prétend que les Anglais sont prêts à n'importe quel prétexte pour le priver de ses compagnons d'exil. Il disait l'autre jour, j'aurais dû me rendre au tsar Alexandre.
général doit être content de sa bibliothèque que j'ai fait installer. À supposer qu'il puisse encore être content. Le général est chez lui. Ces derniers temps, il ne quitte guère sa chambre. Mais, pardonnez-moi, monsieur le gouverneur, mais vous n'êtes pas annoncé. Veuillez m'excuser, général, je me trouve ici par hasard. Permettez-moi de vous demander, puis-je faire quelque chose pour vous? J'ai entendu dire que vous étiez souffrant. Voulez-vous un médecin? Je vous l'envoie volontiers. Non, je n'accepterai jamais un médecin qui me soit envoyé par un gouverneur anglais. Cette maison n'est pas confortable. Voulez-vous que je la fasse transformer pour le bien de votre santé? Vous voulez tromper le monde, hein? Et vous croyez que je vais vous aider? Moi, je n'accepterai jamais qu'on déplace quoi que ce soit ici. Pas même un bout de planche. Je crèverai dans ces murs, dans ces gravats. Jette-moi ce café. Cet homme s'en est approché, il serait capable de m'empoisonner. Ah, vous surestimez. Personne ne tient à votre mort. Vous jugez les autres d'après vous-même. D'après moi-même. Le crime était dans ma nature. Ni Louis XVIII, ni Ferdinand d'Espagne ne régneraient aujourd'hui. 100 fois, on m'a vendu leur tête. Je ne les ai pas achetées, et je ne le regrette pas. Sortez. Je suis content de vous voir, Excellence. Vous devez dire qu'on répare les tuyaux de la salle de bain. L'eau qui y coule y est à peine tiède. Sa Majesté est habituée à prendre des bains très très chauds. Et... Bon, je ferai réparer les tuyaux. Je ne savais pas que le général Bonaparte aime à cuire dans de l'eau bouillante comme une carpe. A pas vu. On dirait que quelque chose lui a fait peur. Je l'ai jamais vu courir aussi vite. Je me disais... Aujourd'hui, tout est contre nous. Dorénavant, on ne fournira pour les besoins de Longwood que les produits suivants et uniquement dans les quantités indiquées. 52 livres de pain, 34 œufs et 8 bouteilles de lait. Assez. Mais qu'est-ce qui vous prend? Vous êtes fou? Les œufs, le lait, vous me lisez ça à moi? Pardonnez-moi, sire, je considérais comme mon devoir de porter à la connaissance de votre majesté la lettre du gouverneur. Continuez. Il est de notoriété publique que le général Bonaparte possède dans différentes parties de l'Europe des sommes considérables, et je ne vois pas d'obstacle à ce qu'il y puisse pour couvrir ses dépenses extraordinaires. Non seulement ils m'ont tout pris, mais ils pensent que je cache des trésors. Je n'ai jamais eu de richesse personnelle. Jamais. Tout appartenait à la France. Mes trésors, ce sont les ports, les canaux, les usines, les villes. Oui, sire. Si le gouvernement anglais est si avare, pourquoi n'accepte-t-il pas pour me nourrir l'aumône du tsar Alexandre de l'Autriche? Hein? Une aumône. Votre Majesté ne peut accepter de se laisser déchoir de sa position de monarque, sire. Vous avez raison, Bertrand. Tant que nous en avons les moyens, vivons en monarque. Lorsque nous ne les aurons plus, nous vivrons en mendiant. Que dois-je répondre au gouverneur? Envoyez-lui une lettre d'insulte. Non, sire. Plus de lettres. Pour que tout le monde en parle. Brûlons les meubles pour nous chauffer. Cassons les couverts et l'argenterie et vendons-les pour trouver de quoi nous nourrir. Oui. Oui. Marchand! Appelez Marchand! Vendons tout. Tous les couverts, les miens, les vôtres. Ne rien garder. Tout. Cipriani, tu te chargeras de la vente en ville en faisant beaucoup de bruit autour. Qu'on ne parle que de cela. Tu comprends? Oui, sire. Ne vaudrait-il pas mieux vendre l'argenterie sans la casser? On la vendrait plus cher? Oui, mais on en parlerait moins.
Je conseillerais de garder tout de même le service de Sa Majesté. Non ! Que tout le monde sache que mes couverts personnels sont partis pour acheter un bout de pain. Je mangerai dans des plats en terre. En porcelaine, sire ? Ne vous en mêlez pas, madame, vous n'avez aucun sens du sublime. Votre Majesté ? Ah, marchand, appelez les domestiques, cassez l'argenterie, posez-la, et faites-la porter à Cipriani. Casser l'argenterie ? Permettez-moi, sire, d'expliquer à marchand de quoi il s'agit. Faites. J'aimerais y assister, sire. Vous pouvez disposer. Est-ce que c'est vrai que l'empereur n'a pas de fortune personnelle ? Il en a une. Vous pouvez être tranquille. Il dit qu'il a tout donné à la France. Il dit ce qu'il faut dire. On veut l'empoisonner ? C'est possible ? C'est devenu pour lui une obsession. Tout est possible, mais je crois qu'il joue à exagérer le danger. Madame Bertrand fait tout ce qu'elle peut pour partir d'ici, le plus vite possible. Aussi, vous pensez à partir ? Et vous, non ? Et où partir ? Et avec quel argent ? À Paris, il n'aurait même pas besoin de raisons politiques pour nous arrêter. Nos dettes suffiraient. On ne peut pas rester ici toute une vie. On ne peut pas... Now, please don't be angry, Hudson, but the whole of Jamestown is talking about Bonaparte's misfortunes, having to sell his silver to buy food. He was overspending. Perhaps. But have you read the latest newspapers from London? Look here. The man treats me worse than a dog. I mean it. Worse than a dog. God knows I try to give as good as I get, but he is out to destroy me. When I endeavor to make life easier for him, he rebuffs and insults me, and if I apply restrictions, then he makes me out a monster. He uses everything. What's more, I'm always at odds with the commissioners. I'm vilified in the parliament and denounced in the press. It's more than I can bear. I wonder, should I just give up and go home? No. You can't give up now. You would appear responsible for all this trouble. And believe me, no one would offer you another post. We should be finished. What do you suggest? Do as he does. He never stops airing his grievances against you. Do the same. You offer to restore his house, he refuses. Tell everyone. You offer to build him a pavilion, he still refuses. Make sure everybody knows. Because things can't go on as they are. Yes, you're quite right. Or he'll get the better of you. Qu'est-ce que ça signifie ? Marchand ! Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi ce service ? Nous n'avons pas exécuté vos ordres, Majesté.
C'est monsieur le comte de Montholon qui a tramé ce complot. Mais je suis dans la confidence, moi aussi. Nous ne pouvions accepter que votre majesté mange dans des plats ordinaires. Allez, coquin. Mais... et le reste de l'argenterie? Vous avez aussi gardé les services des autres? Oh non, sire. Nous n'avons gardé que le vôtre. Le reste a été cassé selon vos ordres. Tout est déjà vendu, n'est-ce pas, Cipriani? Et très bien vendu, sire. Parfait. Je vous remercie. Mangez, mon petit, mangez, le potage refroidi. Et cet imbécile de gouverneur qui se sent coupable parce qu'il me croit privé de toute mon argenterie. Pas un mot, docteur. Hein? C'est notre secret de Longwood. Il me fait plus de bien que toutes vos potions. La bonne humeur de votre majesté passe avant tout. C'est étrange. Je ne supporte pas de manger dans un service ordinaire. Moi qui, dans ma jeunesse, mangeais dans des plats en terre. En terre? En terre cuite? Enfin, pas exactement. Et alors? Montholon, tous les objets en argent sont à la casse, sauf les miens, c'est ça? C'est cela, sire. Quelle idée idiote. Bertrand voulait que je casse mon argenterie, il a cassé la sienne. Bien fait pour lui, c'était son idée, après tout. Marchand, la suite! Ce soir, j'ai faim. J'ai commis trois fautes. Premièrement, en rendant l'Espagne, j'aurais dû conclure la paix avec l'Angleterre. Deuxièmement, j'aurais dû donner un roi à la Pologne, mais ne pas aller à Moscou. Troisième faute, j'aurais dû signer un traité de paix à Dresde, au prix de Hambourg et de quelques autres pays qui m'étaient inutiles. On dirait que ce nouveau capitaine n'a qu'un rêve, c'est d'entrer dans ma chambre. Il a l'ordre de voir votre majesté deux fois par jour. M'a-t-il déjà vu aujourd'hui? Pas encore, semble-t-il. Appelez votre mari. Vite. C'est que tout simplement, vous ne voulez pas comprendre. Vous interprétez tout de travers. Vous n'avez plus jamais le temps de me voir. Je suis très, très occupée, vous le savez bien. Je remplace Lascaz. L'empereur m'appelle sans arrêt. Ah oui, je sais. L'empereur vous appelle sans arrêt. Le capitaine Fox vous appelle sans arrêt. Moi aussi, je vous appelle. Mais... si on me voyait souvent avec vous, ce serait très compromettant. Compromettant aux yeux de qui? Hein? De l'empereur? De Fox? J'ai aussi un mari. Aussi? Oui, aussi. Je l'oubliais, celui-là. Général! Je vous écoute. Vous êtes difficile à trouver quand on a besoin de vous. Personne ne fera les choses à votre place. De quoi s'agit-il? La vache s'est échappée. Vous vous foutez de moi? Vous êtes le grand écuyer, si je ne m'abuse. Mais vous étiez absent et la vache en a profité pour s'enfuir.
Je suis le grand écuyer, oui, je ne suis pas le bousseux de service. Je ne vois pas de différence véritable. Cherchez-la vous-même, cette vache. Mais bon qu'à ça. Ça, vous me répondrez. Pas plus tard qu'aujourd'hui. Préparez vos pistolets. Enfin. Mais vous délirez, Bertrand. Qu'est-ce que ça peut me foutre, cette vache? Vous avez tous perdu la tête. La vache est échappée, mais enfin, quelqu'un doit s'en occuper. Qui? Et vous? Moi? Ces deux imbéciles, au lieu de la rattraper, ne cherchent qu'à s'entretuer. Vous êtes sans pitié pour moi. Vous avez tout sacrifié. Et vous ne faites qu'aggraver mon malheur. Réconciliez-vous, je vous l'ordonne. Je vous en prie. Messieurs, dois-je vous rappeler que nous sommes ici au service de l'empereur? Général Gourgaud. Je suis prêt à présenter mes excuses au comte de Montholon. Serrez-vous la main. Pourquoi me faites-vous du mal? Pourquoi? Pardonnez-nous, sire. Vous connaissez notre dévouement. Vous vous recoucherez, sire? Non. Je viens pour le déjeuner, prier tout le monde d'y assister. Les dames aussi. Je me sens encore un peu faible. Soyez comme des frères. Appelez le docteur O'Meara. Docteur O'Meara, you are due to report to me twice weekly on the state of things at Longwood. Instead of which, you send me bulletins about the worsening health of General Bonaparte. Because that is the state of things at Longwood. But you surely have some conversations with him. Not about anything of interest, sir. It is not for you to judge what may or may not be of interest. Something of no significance to you may be of vital importance to me. Your Excellency is asking me to be an informer. And what may you mean by an informer? Circumstances in which I must report to you in detail what is said to me by Napoleon. In which case you oblige me to dispense with your services and return you to England. I have to insist once again that he is suffering from a chronic congestion of the liver, chronic and dangerous. Goodbye, sir. Le bateau apparaît dans 3 jours. Il faut vous décider tout de suite, Majesté. Sire, le capitaine a choisi un très bon emplacement sur la côte. Le canot vous y attendra. Dans ce brouillard, personne ne pourra vous voir. Bertrand? Nos chances n'étaient pas meilleures à l'île d'Elbe, sire. Non, restez assis. Ici, nous simulerons une émeute pour détourner l'attention des sentinelles. Le brouillard doit tenir encore 2 jours. Dans le brouillard, il est facile de s'égarer. C'est un officier anglais qui nous guidera. Il peut s'égarer lui aussi. Oui, bien sûr, oui, tout peut arriver. Votre Majesté, nous avons de grandes chances. Le capitaine pose une condition. Que l'empereur ne soit pas accompagné par plus de 2 personnes. Vous resterez, bien sûr. Et vous partirez, bien sûr. Bien sûr. En qualité de garde de l'empereur. Ceux qui resteront seront les plus exposés. Vous devez savoir qu'en aidant l'empereur à s'enfuir, nous risquons tous la peine de mort. Puis-je parler, sire? Parle. Si l'évasion de votre Majesté échoue, ils pendront de toute manière tous ceux qui vous auront aidé. S'il réussit, ils n'en marqueront rien pendant un bon bout de temps. Oui, mais après, un jour ou l'autre... Après, ils ne pourront plus rien.
pendre quelqu'un, il leur sera difficile d'apporter des preuves. Hier, j'ai projeté d'accompagner votre majesté avec le général Gourgaud. Mais j'ai changé d'avis, je dois rester. Prenez quelqu'un d'autre. Qui est cet officier anglais qui doit nous conduire? On ne saura son nom qu'au dernier moment. Pourquoi tu ne veux pas partir avec moi? Pour tromper les Anglais, votre majesté. Ils s'apercevraient trop vite de mon absence. Mais je vous rejoindrai plus tard, n'importe où. Je crois à la réussite de cette évasion. J'ai étudié tous les détails. Je n'ai aucune critique. Rien à dire. Alors nous partons. Montolon. Va voir le capitaine du bateau. Dis-lui que son plan est bon. Que je le remercie. Mais je ne profiterai pas de son offre. Pourquoi, sire? Changez d'avis, sire. Fuyez. Non. Ma décision est irrévocable. Cette fuite n'a pas de sens. Mais pourquoi, sire? 6 mois après mon arrivée en Amérique, au plus tard, je serai assassiné par les mercenaires à la solde des Bourbons. Pardonnez mon audace, mais je connais trop bien votre majesté pour croire qu'elle a peur des assassins des Bourbons. Tu as peut-être raison. Sire, s'est-il foutu, partez. Non. En Amérique, ce n'est pas l'assassinat que je crains. C'est l'oubli. Rien de pire que ça. Je préfère Sainte-Hélène. Le vide se fait autour de Buonaparte. Le sieur Gourgaud part aujourd'hui. Il est malade. Il part à sa demande. Il est tout de même assez curieux que Buonaparte ait accepté si facilement son départ. Que voulez-vous dire, marquis? Êtes-vous sûr, gouverneur, que le Corse n'envisage pas quelque évasion? Je fais tout pour le rendre impossible. Où pourrait-il aller, à votre avis? Retourner en France? Pas nécessairement. En Chine, peut-être. Pour y vendre son talent militaire. Et diriger la Chine contre la Russie. Hypothèse absurde. Aucune hypothèse n'est absurde quand il s'agit de l'intelligence perverse de cet homme. Je vous laisse, marquis. J'ai affaire et tout de suite. Je n'ai même pas un fauteuil à offrir à votre majesté. Ça ne fait rien. Tu me manques, mon vieil ami. Comment te sens-tu aujourd'hui?
Un petit peu mieux, sire. C'est bien. Voilà qui est bien. Il faut garder espoir. Votre Majesté a toujours l'espoir, je le sais. Oh. Oh, je t'avoue, ce n'est pas tout à fait vrai. Je fais souvent semblant. Pourquoi n'êtes-vous pas parti? J'ai eu des doutes. On ne s'évade pas avec des doutes. Déjà pendant la campagne de Russie, j'ai douté. J'ai pensé à un désastre. Et le désastre est arrivé. Et parlons de toi. Je suis venu pour ça. Je suis si heureux de voir votre majesté. Ça me suffit. Tu te souviens de l'île d'Elbe, Cipriani? Personne ne m'a donné autant que toi. Personne. Mais ça n'a pas servi à grand-chose. Les adversaires étaient plus forts que nous. Non, pas les adversaires. Les éléments, le froid, l'hiver et la trahison. Oui, la trahison et Fontainebleau. J'ai commis une erreur en suivant le conseil des maréchaux. Je n'aurais pas dû abdiquer. J'avais encore 50 000 soldats. J'aurais dû marcher sur Paris et brûler la ville. L'incendie de Moscou a sauvé la Russie. J'aurais dû faire la même chose. Apparemment, je commençais à vieillir. Ma fortune m'a abandonné. C'était écrit là-haut, dans une mauvaise étoile. La fatalité. Et... la fatalité. E basta così. Ti ricordi di Uccelli d'Italia, Cipriani? Sicura. E di questa? Ti ne ricordi? Frate Giacomo, compagnone, dumiti, dumiti. Sono la campana. Sono... Je peux t'aider? C'est juste un malaise. Attends. Je t'appelle O'Meara. C'est un très bon docteur. Merci, sire. C'est un très bon docteur. He's going to miss Cipriani. He was very attached to him. He was above all his best agent. He planned the whole escape from Elba. And he contrived to be in Vienna during the Congress, sending Napoleon weekly dispatches.
Yes, he did well. I've never understood why Napoleon himself ruined Cipriani's entire work by sheer impatience. Why couldn't he have waited till the Congress was over and they'd all gone home? If he had waited even one more day, things would have turned out quite differently. What difference would it really have made? The war would have dragged on, that's all. Of course, he could have gone on defeating various armies one by one, but he no longer had the means to destroy the combined forces of Europe. Malgré toutes nos protestations, le docteur Umehara a quitté l'île aujourd'hui sur l'ordre du gouverneur. En réponse à notre note, le gouverneur demande à votre majesté de choisir un des médecins anglais séjournant dans l'île. Avant de partir, le docteur Umehara a laissé entendre que s'il avait respecté les ordres du gouverneur, votre majesté serait morte depuis longtemps. Je savais dès le début que ce garde-chambre voulait m'empoisonner. Faites immédiatement savoir que la faute du gouverneur, je suis privé de soins médicaux. Et que je ne me laisserai jamais approcher par aucun médecin anglais, envoyé par un bourreau qui se prend pour un soldat. Would you look over Bertrand's last letter? They have sent me a copy. Have you also seen the latest newspapers? Yes, I have. What is your opinion of all that? To begin with, Bonaparte is really very ill. The French are always lying. Doesn't matter what they say. Our own information is good enough. He has swollen legs, a bloated face, his teeth are loose, his hair is falling out. He vomits and complains of pain. It's enough in itself. Bonaparte cannot be allowed to die without a physician. Bertrand is right. There'd be an outcry throughout Europe. So what am I to do? Well, after that business with O'Meara, he would never accept an English doctor selected by us. So let him make his own choice. He or his family. Whoever they want. A French, an Italian, Chinese. It's all the same to us. That is for London to decide. Sir, there simply isn't time. You must decide. And settle it yourself, on the spot. That's one thing. The other is your audience with Bonaparte. He refuses to see me! And has done, as you very well know, for a year and a half. You must make some concession, sir. Over the restrictions. Should I have acted differently, do you think? I think circumstances have changed. Besides, there was a stormy debate in Parliament about the way Napoleon is being treated here. With more than a few critical voices. Very well. From tomorrow, the ground between Longwood and the High Road will be open to Bonaparte and his retainers. The orderly officer need not accompany the general there, nor any of the French. Hello, hello. Comme je vous ai aperçu, je n'ai pu m'empêcher de venir vous saluer, Excellence. Je ne voudrais pas vous déranger. Puis-je vous demander seulement, qu'avez-vous répondu à la requête de mon mari? À la requête?
tête de votre mari? Si tu permets, ma chère, je pense que ce n'est... J'aimerais dire à monsieur le gouverneur de quoi il s'agit. Je pense que ce n'est ni le temps ni l'heure. Puisque j'ai déjà commencé... Je vous écoute, comtesse. Nous voudrions vous demander instamment, Excellence, de nous aider à quitter Sainte-Hélène aussitôt que possible. Nous devons nous rendre en Angleterre pour raison de santé, pour la santé de nos enfants et pour la mienne. Tu me permets de... Je crois que nous nous sommes mis d'accord. Ne faisons pas croire à monsieur le gouverneur que je m'adresse à lui contre ton gré. Le général Bonaparte est informé de votre décision? Non, il ne l'est pas. Pas encore. Il pourrait bien prendre votre départ pour une nouvelle persécution de ma part. Nous nous demandions justement avec monsieur le comte comment nous pourrions dissiper la version que me porte le général et obtenir qu'il accepte un nouveau médecin. Je vous aiderai. Pour ce qui est de notre départ, c'est nous qui en faisons la demande. Ce n'est pas moi qui décide, c'est Londres. Excellence, je n'ignore pas l'étendue de vos pouvoirs. Déposez donc une demande et je la transmettrai avec un avis favorable. Permettez-moi, messieurs, de me retirer. J'ai assez abusé de votre temps. Je vous prie. Je ne sais pas pourquoi, mais je me souviens de la Corse. Les rochers, sans doute. Où je vieillis. C'est sûrement ça. Oh non, sire, vous êtes toujours le même. Si seulement vous vouliez prendre un peu plus soin de vous-même. Votre santé nous est précieuse. Toute personne qui arrive sur l'île demande des nouvelles de votre majesté et souhaite vous voir. Oui. Le gouverneur rêve même de vendre des billets pour le spectacle. Le gouverneur a beaucoup changé, sire. Ces derniers temps, il rend fréquemment visite à mon mari. Il le supplie très respectueusement de lui obtenir une audience auprès de vous. Il n'en est pas question. Ce n'est plus le même Hudson Lowe. Ne parlons plus de lui, ça me gâche la journée. Votre majesté devrait recevoir le gouverneur, ne serait-ce que pour savoir quelles sont les intentions des Anglais. Sir Hudson Lowe a levé bon nombre de restrictions, sire. Désormais, nous pouvons nous déplacer sans escorte. Lou n'a qu'un souci. Que vous acceptiez un médecin de votre choix. Non. Je ne veux pas m'occuper de ça. Alors laissez-nous faire, sire. La Corse. Jusqu'à présent, je n'avais vu aucune ressemblance. Et peut-être qu'il n'y en a pas. La Corse, quelle île. Quel peuple fier, magnifique. Le comte de Montholon. Qu'avez-vous appris, Montholon? Le baron Sturmer a été rappelé. Qui vient à sa place? Personne, sire. L'Autriche supprime son poste. Et c'est la cour de mon propre beau-père qui m'insulte de cette façon. Je ne suis plus le prisonnier de l'Europe, mais prisonnier des militaires anglais. Non, je ne permettrai pas qu'on m'oublie. J'ai encore un atout, ma propre mort. Ne dites pas cela, sire. Je ne pense pas au suicide, ne soyez pas stupide, Bertrand. Et la Russie, elle retire aussi sa mission? Pas pour l'instant, sire. Bertrand, essayez de savoir s'il y a une possibilité de faire parvenir au tsar Alexandre une lettre de ma part, même officieuse. Le général Hudson Lowe. L'intervention du comte Bertrand vous vaut cette audience. Mais je ne veux pas perdre de temps pour vous, monsieur Lowe. Soyez bref. Que voulez-vous? Tout d'abord, je voudrais vous exprimer. Permettez-moi de vous exprimer ma gratitude. Je vous ai dit, soyez bref, et pas de phrases. Voudrais-je simplement... Monsieur Lowe, vous me haïssez. Et de mon côté, je vous trouve très antipathique. Quant à vos égards, ils me font penser aux soins qu'un bourreau anglais accorde à un condamné à mort. Vos paroles sont injustes.
L'opinion que j'ai de vous, Monsieur Lowe, repose sur vos faits et gestes au cours de ces quelques années. Je ne suis que l'exécuteur des instructions de mon gouvernement. Ah. Mais quel exécuteur? J'accomplis mon devoir, comme me l'ordonne ma loyauté envers mon gouvernement et ma patrie. L'histoire en jugera un jour. Vous avez de la chance, Monsieur Lowe, ou plutôt de la malchance. Vous entrerez dans l'histoire grâce à moi. Voyez-vous, tout ce qui est lié à ma personne appartient à l'histoire, et rien n'échappera à sa méticuleuse attention. Je ne vous envie pas. Si le jugement de l'histoire est équitable, il ne sera pas oublié que Napoléon Bonaparte, prisonnier à Sainte-Hélène, a subi un juste châtiment pour ses fautes. Mais qui êtes-vous? Vous osez me parler de mes fautes politiques? Vous? Et il faudrait peut-être que je me justifie devant vous. Mais vous êtes fou. Je vais vous dire. Votre comportement est à l'image de votre personne. Au-dessous de tout. Honte à vous. Oui, honte à vous et à vos commanditaires. Je vous connais. Capable de tout. Répugnant. Ne vous emportez pas, général. Il ne faut pas perdre espoir. Peut-être pourrez-vous un jour retrouver votre patrie et votre famille. Vous êtes ignoble, Monsieur Lowe. Et votre mépris, général, empoisonne mon existence. Moi aussi, je souffre ici. J'ai déjà demandé mon rappel. Sincèrement, c'est la phrase la plus plaisante de toute cette conversation. Mais je ne vous crois pas. Il m'est insupportable que vous n'ayez pas de médecin, général. Ce n'est plus la peine. Je comprends que vous ne vouliez pas vous en occuper, mais si madame votre mère s'en occupait, général, si votre mère... Si votre majesté impériale n'a plus rien à me dire, me permet-elle de me retirer? Majesté, je n'ai plus rien à vous dire, monsieur Lowe. Mais un jour viendra où même vos supérieurs se détourneront de vous avec mépris. Tout bon exécuteur que vous soyez, vous pouvez disposer. L'empereur considère qu'après le départ du baron Stürmer et en qualité de représentant de la Russie, c'est vous qui devez veiller à ce qui se passe ici. Il demande à être transféré dans un endroit plus sain. Et connaissant la grande magnanimité du tsar Alexandre, il m'a chargé de vous remettre une lettre qu'il lui a écrite à ce sujet. Non, non, je ne peux pas. Vous le pouvez. Mais je suis prêt à vous promettre que dans mon rapport à Pétersbourg, je ferai état de ce que vous venez de me dire. Mais je ne peux pas prendre la lettre. Non, non, je ne peux pas. Qui êtes-vous? Je suis la fille de Lady Lowe, votre majesté. Je m'appelle Susan. La fille de Lady Lowe.
êtes comme une jeune fleur, Suzanne. Vous avoir rencontré pour moi un heureux présage. Pour toute la journée. Merci. Mon cher Marquis, non seulement Sturmer a été rappelé, mais l'Autriche a supprimé le poste. Cela nous fait d'autant plus de travail. Êtes-vous au courant pour le capitaine Fox? Une histoire singulière et pour le moins inattendue. On dit que Fox a rencontré Bonaparte. Ce n'est pas un délit. Certes, on l'a néanmoins expédié loin d'ici sur un bateau sous bonne escorte, après une perquisition à son domicile. Arrêté? Non, pas officiellement. L'escorte était des plus discrètes. Selon la version officielle, Fox a été rappelé à Londres. Il est déjà parti. C'est un effet très singulier. Dans quelques jours, la comtesse de Montholon et ses enfants quitteront également l'île. Le comte de Montholon restera auprès de Bonaparte. Ah! Vous avez l'air d'une jeune fleur, Miss Susan. Merci, Marquis. Napoléon m'a déjà fait le même compliment. Susan. Mais c'est vrai, maman. J'ai vu l'emprunt à Napoléon. Le général Bonaparte, voulez-vous dire? Vous lui avez parlé? Oui, ce matin. Comme avec vous maintenant, Marquis. Quel uniforme magnifique! Il était merveilleux. Et il m'a offert cette fleur. N'y attache pas trop d'importance, mon enfant. Madame, August Romain. Si vous permettez, mesdames et messieurs, je voudrais, au nom de ma femme et de moi-même, remercier chaleureusement Lady Law et vous, monsieur le gouverneur, pour cette soirée d'adieu, ainsi que pour votre hospitalité si cordialement anglaise. Partez où? Je voudrais expliquer à votre majesté les motifs de cette démarche. Mais ce n'est pas la peine, Bertrand. Tout est clair. Je ne vous en veux pas. Ça ne changera rien à ma situation. Et votre souci d'éduquer vos enfants est tout à fait louable. D'après ce document, votre majesté a dû avoir l'impression que j'intriguais derrière son dos. Il n'en est rien, sire. Je te connais mieux que tu ne penses, Bertrand. Tu es courageux sur un champ de bataille, quand grondent les canons. Hélas, ici, pas de canons. Je raccompagne ma femme et mes enfants, sire. Je reviens auprès de vous. Fais comme tu veux. Vous êtes fâché contre moi, sire. Si vous le souhaitez, je peux. Je ne suis pas fâché, ne souhaite rien. Tu peux partir tranquille. Qu'est-ce que tu fais? À traîner par ici sans qu'on te sonne?
Je n'exagère pas la gravité de sa maladie et je ne vous parle pas à sa demande. Vous avez l'intention de revenir ici après avoir reconduit votre famille. Je doute que vous arriviez à temps. Je m'adresse à vous contre mon propre intérêt. Pensez-y. Je serai le seul compagnon d'exil qui soit resté jusqu'au bout. Il serait dommage que, par imprudence, vous réduisiez à néant tous vos mérites. Retournons près de lui. Je reste. Je suis le docteur Anton Marquis. Comte de Montelon. Soyez les bienvenus au nom de Sa Majesté. Nous vous attendions depuis 3 mois déjà. L'empereur sera très content. I also welcome you, Dr. Otomaki, in the name of His Excellency, the Governor. Merci. Essayez de vous asseoir. Il me semble qu'on m'enfonce un couteau dans la plaie qu'on l'agite. Ça passera, sire. Des vagues de douleur, rien de sérieux. Respirez-y forte. Seulement, votre majesté doit être patiente. La patience est ce qui importe le plus. Ce sera tout, Majesté. J'aime trop mon lit maintenant. Je suis trop bas. Comme dans un état léthargique. Où est le temps où Napoléon dictait plusieurs lettres à la fois sur des sujets différents? Quand j'étais Napoléon. Quelle nouvelle, Bertrand? Je ne sais pas si c'est important, sire. La Russie. Oui. La Russie aussi supprime son poste. Le comte Balmar a quitté l'île. Il est nommé à Londres. J'aurais dû mourir à Waterloo. Not many others have been on this island for as long as we have. Except for Bonaparte. Have you tried to see him again? No. I have no intention of inviting further humiliation. There are rumors that his health is failing. Well, that's not new. Another false alarm. And he now has a doctor sent by his mother, another Italian. Let them get on with it. Majesté, cette nuit, une comète est apparue dans le ciel. Je l'ai vu de mes propres yeux. Le même signe est apparu juste avant la mort de César. Quelle comète? Il n'y avait aucune comète. Nichoune comète. Même sans comète, on peut mourir. Mais vous vivrez longtemps, n'est-ce pas, docteur? Certes, certes. Moi, vivre longtemps. J'ai croisé la mort tant de fois. Je connais bien son souffle. Maintenant, écoutez-moi. Vous avez partagé mon exil. Vous serez fidèle à ma mémoire. Je suis sûr que la nation française honorera ma mémoire. Je ne vous remercie pas. L'histoire parlera de vous. Anton Marquis, j'exige qu'on fasse pratiquer une autopsie sur ma dépouille. Je meurs de la même maladie qui a tué mon père. Expliquez à mon fils comment s'en préserver. C'est tout. Montelon, demain j'aurai besoin de toi dès le matin. Marchand, je serai occupé pour tous les autres. Il me reste peu de temps. Bonne nuit, mes amis.
range mon coussin. Ferme la porte et prends note. Vous n'êtes pas trop faible, sire. Je le serai de plus en plus. Écris. Monsieur le gouverneur, l'empereur Napoléon est mort le... Ici, tu laisses une place pour la date. Majesté. Ne m'interromps pas. Maîtrise-toi, continue à écrire. Est mort à la suite d'une longue et pénible maladie. J'ai l'honneur de vous en informer. Veuillez me faire savoir quelles sont les dispositions prescrites par votre gouvernement pour le transport de son corps en Europe, ainsi que celles relatives aux personnes de la suite. Et l'honneur, etc. Vous signerez le compte Montolon. Aïeux. Oui, sire. Prends la feuille suivante et écris. Testament. Tu es prêt? Oui, Majesté. Alors écris. Je meurs dans la religion apostolique et romaine, au sein de laquelle je suis né il y a plus de 50 ans. Je désire que mes cendres reposent sur les bords de la Seine, milieu du peuple français que j'ai tant aimé. Je recommande à mon fils de ne jamais oublier qu'il est né prince français. Donne-moi à boire. Peut-être désirez-vous changer de linge, Majesté, vous serez mieux. Que personne n'entre. Je vous servirai moi-même. Merci, mon petit. Apporte-moi une chemise fraîche. Je meurs prématurément assassiné par l'oligarchie anglaise et son sicaire. Le peuple anglais ne tardera pas à me venger. Les deux issues si malheureuses des invasions de la France, lorsqu'elle avait encore tant de ressources, sont dues aux trahisons de Marmont, Rogereau, Talleyrand et de Lafayette. Je leur pardonne. Tu as fini? Oui, sire. Arrange mon oreiller. Vous voulez que j'appelle Antoine Marquis? C'est pas la peine. Étouffe ici. Vous voulez vous reposer? Non, travaillons. Après, ce sera à toi de me dicter. De vous dicter, sire? Oui. Tout ce que tu notes maintenant doit être écrit de ma propre main, pour que personne ne puisse en mettre en doute l'authenticité. Au travail. À mon fils, mon épée, celle que je portais à Austerlitz,
Le sabre de Zobieski. Mon glaive de consul. Les deux paires de pistolets de Versailles. Mon nécessaire d'or. Celui qui m'a servi le matin d'Ulm, d'Austerlitz, d'Iéna, d'Eylau, de Frielland et de la Moscova. Passe-moi ma robe de chambre. Votre Majesté veut se lever maintenant? Oui. Tu vas me dicter. Peut-être que cela suffit pour aujourd'hui. Non, après je n'arriverai pas à tout recopier. Reposez-vous. Non, nous avons encore beaucoup de travail. Dicte. Je meurs. Dans la religion apostolique et romaine. L'empereur est au plus mal. Nous devrions consulter un autre médecin. Un anglais? Jamais il n'acceptera. Je l'amènerai moi-même, sans le prévenir. Non, personne ne verra l'empereur sans son accord. Comme c'est étrange. L'empereur se meurt et nous nous comportons comme si de rien n'était. Je lègue au comte Montolon 2 millions de francs comme une preuve de ma satisfaction des soins filiaux qu'il m'a rendus depuis 6 ans. Et pour l'indemniser des pertes que son séjour à Sainte-Hélène lui a occasionnées. Je lègue au comte Bertrand 500 000 francs. And all this time I kept assuring London that Bonaparte's health was giving no cause for anxiety. I was relying on the reports of Antomarchi. If I was mistaken, I'll be seen as irresponsible. And London will never trust me again. You've done your best. Not good enough, it seems. I again applied through Bertrand for another meeting with Bonaparte. But, of course, nothing doing. Have you appointed a doctor? Yes, of course. He's due to report. You should rest. Je ne me laisserai examiner par aucun Anglais. Dites-le lui de ma part. His Majesty refuses to be examined by an Englishman. Je me suis mis sous la protection du peuple anglais. I have put myself under the protection of the British people. On m'assassine froidement. You set out to murder me in cold blood. Je rejette la honte de ma mort sur la famille royale d'Angleterre. May the shame of my death fall on the head of the British royal family. La visite est terminée. Je vous en supplie, sire. Fais sortir ce médecin. Amène-moi un prêtre. Joséphine était là à l'instant. Mais elle n'a pas voulu m'embrasser. Elle a disparu quand j'ai tendu les bras vers elle. Elle était assise là. Elle n'a pas changé. Elle a dit que nous reverrons bientôt. Tu l'as vue? Non, sire. Enfin, quand je suis entré, il n'y avait plus personne. Ah oui, quand tu es entré, elle n'était plus là. Elle a disparu. Mais je l'ai vue avant. Comme je te vois maintenant. C'est sûr.
Je suis très conscient. C'est sûr. Vous vous inquiétez, sire. Ça vous épuise. Efforcez-vous de dormir. Venez. Ne pars pas. Je reste, sire. Tu es là? Je ne vous ai pas quitté, sire. Je lui ai fait du mal, mais elle ne m'en veut pas. Elle était assise là où tu es. N'y pensez plus, Majesté. Elle était assise sur cette chaise-là. Oui, sire. Donne-moi à boire. Comment va Marchand? Beaucoup mieux, sire. Il commence à se lever. J'étouffe ici. Is he any better? Well, he's indisposed, of course. He looks awful, but that's nothing new. He always has. Has your doctor examined him? He wouldn't let him. He gave his usual diatribe against the ignominy of England and cursed the royal family, or he didn't miss that chance. Is that the behavior of a really sick man? Hello. Avant. L'armée. Sire. La tête. Sire. L'armée. Sire. La tête. Sire. Sire. Sire, mais qu'avez-vous? Sire. Allez. Docteur. Aidez-moi. Doucement. Doucement. Allez, attention. Doucement. Control yourself. It was bound to happen. The government and public opinion are not prepared for the news. The consequences for me could be disastrous. On the contrary, you should be rewarded for your loyal service. Now you must make the necessary arrangements and report personally to the King and the Prime Minister. I'll come with you. Susan, I've wasted 5 years of my life here.